Ben, on est descendu à Tahiti pour les compétitions, la Tour Maui, hein, qui se déroule tous les mois de juillet. Ben, on est descendu pour se battre avec les autres. C'est à nous, c'est une paroisse de Rimatara. Voilà. C'est des gens de Rimatara qui sont venus construire s'habite ici. La paroisse ici et qui sont grandis. On va se réveiller quoi, à 6 heures pour ne pas vraiment se fatiguer après, tu vois. La journée va durer longtemps. 6 heures, à peu près 6 heures ou 7 heures. Boire le petit café déjeuner là. La compétition commence à midi. À midi, hein, pour les femmes, pour les poulains, pour les nouveaux, après pour les 30, après pour les vétérans. La dernière course, c'est les 50 kilos. Ben, du coup, si on attache le matin, ben, on a le temps d'attacher, de quitter vers 10h, 11h pour arriver à midi. De rester là-bas avait été jusqu'à le moment au cours. Les courses de porteurs de fruits, ben on part d'un point pour arriver à un autre, avec la charge complète. Si toutefois il manque du poids, il manque des fruits, il y a des pénalités. À l'époque, ils n'avaient pas de chariot ni de brouette, donc lorsqu'ils allaient dans les vallées, eh ben, ils coupaient un levier et avec ce levier, ils mettaient des fruits de chaque côté et ça leur facilitait donc le transport des fruits qui étaient ramenés au village ou dans la famille ben, pour la nourriture et tout ça. Voilà. Et un jour, ils ont fait la course pour descendre en vallée, et voilà, c'est parti de là. En fin de compte, tous ces sports viennent d'une origine, d'un travail quotidien, chercher de la nourriture, se déplacer et tout ça. Oui, j'avais mis le courage parce que regarde autour de nous, il y a toute ma famille, hein, ils sont venus là pour ça. Et à la fin, on a une récompense, hein. C'est pas vraiment la récompense qui... Enfin, pour moi, c'est pas vraiment la récompense qui compte, hein. C'est la victoire, c'est de ramener la coupe chez nous, on arrive tard, hein. Deux fois la suite, hein. Premier de chez nous, hein. Je suis fier de ce que j'ai fait, hein. Grosse délégation, hein, et puis il y a eu des victoires et des belles performances de Rimatara pendant tout le Evatuaro, hein, cette oui. année. Hein. Ça veut dire que c'est une île un peu spéciale, c'est ça, hein. C'est un peu spécial, mais petit. Hein. Il fait quoi, 10 km? T'as vu le monde qui est autour d'un d'eux? Voilà, c'est l'image qui montre qu'il y a 10 km. Mais avec la vallée qui est dessus, je peux rien dire. Bon, ouais. Ah ouais, félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé juste cette année, il y avait quand même, enfin par rapport à l'année dernière, il y a pas mal de Néo-Zélandais, pas mal de Maori, d'Hawaïens. Cette présence extérieure là, c'est appréciable bon, d'avoir. Ah oui, c'est carrément impressionnant. Après, pour le porteur de fruits, c'est pas vraiment eux qui ouais. m'inquiètent. Ouais. C'est l'île qui est à côté de chez nous, tout, hein. Parce qu'on est à côté, il y a de la valeur. Hein. Ben, je suis fier de ce que j'ai fait. Hein. Ouais, tu connaissais tes concurrents à l'avance, hein? Ouais, comme on avait couru l'année dernière ensemble. Hein, ouais. Ben, du coup, je les connais un peu, mais ils ont un peu amélioré cette année. Hein. Donc l'année prochaine, il va falloir encore bosser? Ah oui, beaucoup même. Hein. Ok, félicitations, merci beaucoup. Merci. Tiens, je reprends.